Madame Lawali Hadiza Amadou, je suis agent au ministère des Enseignements Techniques et de la Formation Professionnelle, précisément à la direction des ressources humaines. Je suis point focal et formatrice en genre. L'auto-évaluation du ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a permis de constater qu'il y a une inégalité des répartitions des tâches, une répartition des attributions donc, au sein même du ministère. Et c'est ce qui a conduit ce ministère à adopter une stratégie genre pour remédier à cela. Avec ces formations, on a vu que les mentalités ont vraiment commencé à changer. Le genre, sincèrement, auparavant, les gens pensaient que c'est uniquement les femmes ou bien les hommes, alors que ce n'est pas ça. Donc, la question du métier, la question de l'occupation de certains postes, donc au même titre que les hommes, les femmes aussi peuvent valablement les exercer. J'ai suivi comme ça des formations, ici à Niamey même, dans la région, à Dosso et à Agadez. D'acteur passif, je suis devenu acteur très actif du genre. Donc de participant, de point focal, je me suis transformée en formatrice. Ma première expérience, c'était lors de la formation des chefs d'établissement de l'FPT, donc ici même, dans la région de Niamey. On a passé une semaine à former ces directeurs-là. Cette formation a permis effectivement donc, aux femmes qui sont placées par-ci, par-là, dans les différentes structures, donc, de devenir plus actives dans tout ce qu'on entreprend dans le ministère. Et elle prend une part importante dans l'élaboration de tout ce qu'il y a comme TDR, tout ce qu'il y a comme programmation, tout ce qu'il y a comme budget, effectivement, les femmes ont pris part de manière responsable dans tous ces domaines. Et aujourd'hui, quand vous regardez jusqu'au niveau des régions, aujourd'hui, le genre est pris en compte dans toutes nos actions. Ici même au ministère, j'ai eu à former les directeurs centraux, tous les directeurs centraux de mon ministère. C'était vraiment une expérience que je n'oublierai jamais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là aussi, ça n'a pas été facile du tout. Il y a un directeur qui m'a demandé, « Madame, mais vous pensez qu'en tant qu'agent, vous pouvez former un directeur ?» Et je lui ai dit, « Mais monsieur le directeur, il ne s'agit pas d'une école en fait. Le genre n'a pas d'école. » C'est un milieu de partage entre nous. Il se peut que parmi vous, les participants, il y en a même qui sont plus outillés, plus informés sur le genre que moi. Donc, ça sera un milieu d'échange entre nous. Il y a des directeurs qui ne restaient jamais au bureau une heure de temps. Mais je vous assure, il y en a qui sont restés 5 jours à suivre cette formation-là. C'était vraiment un exploit, c'était vraiment une réussite pour moi. Je souhaiterais que le message qu'on a véhiculé, qu'on a passé à nos supérieurs, à nos autres collègues, que ça ne soit pas mis dans les tiroirs. Que ça serve à tout le monde dans la vie professionnelle ici au ministère et dans la vie quotidienne comme tous les jours. Je souhaiterais aussi être une bonne experte, sillonner le monde à la recherche et au partage de toutes mes connaissances sur le genre.